Nous avons organisé en début d'année le Hack Apprendre, un événement consistant à imaginer ce que sera en 2035 l'une des trois missions de l'université d'aujourd'hui, l'enseignement. L'ambition de cet événement était d'utiliser l'utopie comme méthode. On a voulu imaginer l'inimaginable. Ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est de pouvoir participer à une réflexion sur quelque chose qui me concerne moi maintenant en tant qu'étudiante. Étant étudiante aujourd'hui à l'université et pensant aux générations futures d'étudiants, mes préoccupations par rapport à l'université, ce sont les formations qu'elles dispensent et l'adéquation qu'elles ont avec la société aujourd'hui, ses demandes et ses besoins. Moi, ce qui vraiment m'interpelle beaucoup, c'est le fait que d'ici 20 ans, on va avoir des profils d'étudiants très très différents. Et donc ils auront des bagages différents, que ce soit au niveau des connaissances, des compétences. Et donc, comment parvenir à leur donner cours à tous en tenant compte justement de leur parcours? En fait, j'imagine que dans 20 ans, il y aura beaucoup de nouvelles technologies qui seront là et qui permettront de rendre le savoir en fait accessible à tout niveau. Et donc en fait, j'imagine l'auditoire comme un lieu où l'étudiant peut être acteur de son savoir et puisse développer certaines compétences. D'ici à 20 ans, j'imagine une interaction entre le professeur et les étudiants de façon libre. À quoi ressemblera l'auditoire du futur? Existera-t-il toujours? Et si on sait que le cours magistral n'est plus dominant, en fait, quelles seront les méthodes d'apprentissage qui prendront le relais? Je pense qu'il serait intéressant d'intégrer la pensée utopique dans l'enseignement universitaire parce que je considère qu'on n'utilise pas suffisamment la créativité dans l'enseignement universitaire. Quel message et quelles valeurs voudriez-vous que l'université transmette aux étudiants en 2035?